Alors, Claire, il est 7h03 à peu près. Si je mets mes lunettes. Non, ça ira sans. Je vais m'attaquer sérieusement au découpage de la forme des Memory Decks sans les trous pour les mettre parce que je vais faire la boîte. Donc je vais essayer de la faire sans carton en fin de compte. Je crois que ça tiendra bien assez parce que c'est quand même quelque chose d'assez rigide. Donc je vais vous baisser sur mes mains. Je pense que ouais, c'est bon. Ok, bon, je suis habillée aujourd'hui, hein. Vous avez vu, hein, ça va les filles? Moi, ça peut aller. Donc, je découpe comme je peux, hein. En même temps, je vais, voilà. Je repasse une deuxième fois. Histoire de... Voilà. Les petits bouts. Ensuite, je m'attaque à l'autre côté. Alors j'appuie. Hein. J'appuie extrêmement fort. Parce qu'il est vraiment mince. Il est vraiment costaud. Voilà. Hop. Et d'un. Donc je dis toujours l'heure parce que les vidéos sont mises après. Donc, comme ça, vous savez à quelle heure je débute la vidéo. Hop là. S'enlever, voilà. Et voilà, deuxième effet. Aïe, franchement, j'ai appuyé comme une malade. Et à l'extérieur, enfin à l'intérieur, ça sera comme ça, quoi. Donc, j'ai plus que les plis à faire. Là, je vais me débrouiller pour prendre mon massicot plieur. Alors, massicot plieur, il est en dessous. Hop. Voilà. Je vais faire ça comme ça.
Tiens, il y a un truc qui se met. J'insiste hein, sur les plis. Donc, faut pas s'inquiéter. J'ai l'habitude de marquer 4 fois. Alors, les plis. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Hop là, le fond est fait. Voilà. Donc, alors là, ça, j'ai à les plier en 2. Donc, le plus petit, alors je vais me baser sur la moitié. Il devrait être par là. Là, si je le lâche pas. Voilà, pour bien avoir le... Voilà, c'est la bonne distance. Là, c'est 3,5, donc... ça va être par là. Ah, si j'arrive à l'attraper, j'ai plus d'ongles. Voilà, c'est à peu près la moitié. J'appuie bien sur les plis. Fait. Bon, je vais m'amuser à coller déjà les côtés de là-dessus. Je vais relever ma cigarette électronique parce que sinon on va fuir. Alors, de la colle à bois Patex. Je vais vous faire des angles. Hop. Hop. Attendez que je les mette bien. Côté, l'autre côté, donc ça va être comme ça. Vers les ailettes. Hop, un de fait. Celui-là, ça va, c'est le plus petit, mais il est bien quand même.
Hop, hop, hop. Ensuite, l'autre côté. Là, je vais attendre 5 minutes que ça sèche. J'ai peut-être collé le fond avec la première qui doit être sec. Donc, je vais mettre de la colle là. Voilà, on va coller, peut-être pas maintenant parce que les ailettes elles vont hop de l'autre côté. Voilà, donc faudrait que je colle après. Donc là je vais coller ce côté là. Les ailettes à l'extérieur. Voilà. Ah, déjà là, ça se monte, hein. Il n'y aura plus qu'à mettre. Coller tout ça. Donc je collerai ceux-là après. J'ai déjà collé ceux-là. Celui-là. Pour mettre le faire l'autre, ça va, ça prend très vite, donc celui-là je vais mettre comme ça pour l'écriture. Hop, chercher le reste. Hop, le coller. Bon, tout est collé, sauf celui-là. Hop là. Boîte à Memory Dex est prête.
que des petits côtés à coller. Faut que ça prenne quoi. Bon, si j'arrivais à visser ma colle, ça serait bien. Hop. Et voilà. Et voilà. Bon, ma boîte à memory deck, c'est prête. Il n'y a plus qu'à... Hop, c'est pile poil le format. Et voilà. Ce que je pourrais faire, c'est mettre des pailles au milieu, mais j'ai peur d'esquinter les memory decks, alors je préfère les laisser un peu pencher. Voilà. Et ça, bah, je mets là. Voilà ma boîte à memory decks. Hop, je vous fais visiter. Voilà. Il y a des petites cochonneries qui se baladent. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Attendez, je redresse le tout.